La simulation sera la même chose pour vous le 16 avril. Donc, Madame Jade Rice, propriétaire de la société Smart Delice, exploite un local dans un centre commercial pour offrir des boissons chaudes et des repas légers. Voici, c'est après les dépenses du mois de janvier 2021 qui ont été réglées par la petite caisse. La première transaction concerne la création de la petite caisse. Donc, il y a un chèque personnel numéro 1 d'une valeur de 5 000 dollars remis par la propriétaire pour la création de la petite caisse. Le 3 janvier, un loyer commercial a été réglé, 500 plus taxes. Le 10 janvier, achat de deux grandes caisses de café. Ah, vous ne voyez pas le fichier, excusez-moi. Attendez, c'est un panneau. C'est bon maintenant? OK. Donc, la création de la petite caisse a été faite avec un chèque personnel numéro 1 de la propriétaire Jade Rice. 5 000 dollars. Il y a une transaction loyer commercial a été réglée par la petite caisse 500 dollars plus taxes. La colonne A3, c'est numéro de pièce justificatif, bien, soit facture, soit reçu. Achat de deux grandes caisses de café. Le prix d'une caisse est 500 dollars plus taxes auprès du fournisseur SmartGoo. Plus taxes, je répète encore une autre fois, un montant plus taxes, ça veut dire qu'il faut ajouter des taxes. Un montant taxes incluses, ça veut dire qu'il contient déjà les taxes. Il faut extraire les taxes pour ne garder que le montant sans taxes qui sera comptabilisé comme charge. Achat de 200 sachets de thé bio à 0,25 l'unité plus taxes, c'est-à-dire qu'il faut ajouter des taxes. Des taxes. Paiement de 150 dollars plus taxes à l'achat d'une montre pour Mariam, la fille de Jade, à l'occasion de sa réussite au Cégep. Réparation de trois machines pour préparation des boissons chaudes et des repas. Les frais pour chaque machine réparée est de 55,50 plus taxes auprès de la société Pro Réparation Inc. Achat de huit grandes boîtes de capsules de café Nespresso 20 hôtes pour 19,99 l'unité. À 19,99 l'unité, taxes incluses auprès de Tim Hortons. Achat de 450 sachets de thé vert chinois aromatisé à 0,57 plus taxes l'unité. Auprès de la société Santé Bio. Confection de 200 menus de repas et boissons offerts à 1,50 $ plus taxes l'unité, c'est-à-dire le menu, et de 200 cartes d'affaires à 0,99 plus taxes l'unité auprès de la société Smart Annonce Inc. Abonnement au service de téléphone et d'Internet à 335,35 plus taxes auprès de Bell Canada. Montant réglé, taxes incluses pour achat de deux rames de papier. Donc, les deux rames de papier à 77,99, deux boîtes d'archivage à 88,99 dollars. Et un petit tiroir avec roulette à 99,99 pour le bureau de la fille de Jade. Paiement de 500 dollars plus taxes de la facture mensuelle du carburant utilisé par l'auto du mari de l'époux de Madame Jade. Loyer du mois de février, 500 dollars. Plus taxes. Et enfin, Madame Jade a remis un chèque personnel numéro 5 pour renflouer la petite caisse en vue de démarrer le mois suivant avec un fonds de caisse début période de 5 000 dollars.
Tâche à faire. Préparer le rapport de la petite caisse. Passation dans le journal général des écritures relatives à la création de la petite caisse, les dépenses réglées par la petite caisse et le renflement de la petite caisse. Voici le rapport de la petite caisse à remplir. Donc, il y a des formules qui vont nous faire gagner beaucoup de temps. D'accord? On commence par la première transaction réglée par la petite caisse. Okay? Donc, toujours, il ne faut pas oublier de marquer les transactions déjà. Tout d'abord, la première chose qu'il faut faire, c'est d'aller sur la feuille et marquer les numéros de compte. La première chose qu'il faut faire, lisez l'énoncé et inscrivez sur l'énoncé les numéros de compte que vous allez utiliser pour gagner du temps. D'accord? C'est très important. Donc, quand vous allez inscrire pour chaque transaction le numéro de compte, eh ben, ça va beaucoup, beaucoup vous aider. D'accord? Ça, d'une part. D'autre part, il faut réviser ce que vous avez déjà saisi. Comment le réviser? Comment le vérifier? Comment le contrôler? Comment le valider? C'est de prendre l'énoncé et aller ligne par ligne en faisant ce qu'on appelle le matching. D'accord? Donc, le rapprochement entre ce que vous avez saisi sur Excel avec ce que vous avez sur la feuille. D'accord? Ça, c'est très, très important. Donc, la première transaction réglée par la caisse date du 3 janvier. D'accord? Donc, je viens ici, je vais mettre 3 janvier. Numéro de la pièce justificatif, nous l'avons dans la colonne à droite. Donc, LY01 sur 2021. Il s'agit du loyer. Le montant du loyer, c'est 500 $. Et ici, on va mettre égal ce montant sans taxe multiplié par 5%. Pour la TVQ, ben, égal 500 multiplié par 9,975. Et après, je prends tout ça et je le calque sur le reste. Mais il faut faire attention, il y a des achats sur lesquels on va payer uniquement une taxe. Il y a des achats où il n'y a pas de taxe. Il y a des achats où, comme les retraits, ben, on ne va pas compter les taxes parce que cet achat-là ne concerne pas l'activité de l'entreprise. Il ne rentre pas dans l'activité courante normale de l'entreprise. Deuxième transaction réglée par la caisse, achat de deux grandes caisses de café, le prix d'une caisse, c'est-à-dire l'unité, 55 plus taxes. Donc, je saisis la date. Donc, j'ai commencé à 1h50, c'est bon. 10-01, pièce CAF, numéro CAF, numéro 11, c'est les achats. D'accord? Les achats, matières premières. Donc, égal, j'ai acheté deux grandes caisses. Chaque caisse coûte 55 $. Donc, fois 55. Donc, c'est 110. Il faut marquer la transaction comme quoi c'est déjà saisi. Donc, nous avons la TPS et la TVQ et le montant total taxe incluse. Transaction suivante, 13 janvier. 13 janvier. Donc, numéro de la pièce sur laquelle on s'est basé pour passer l'écriture, remplir le rapport et aussi on va passer l'écriture comptable. Achat de 200 sachets de TBU à 0,29 l'unité plus taxe. Donc, c'est toujours les achats, égal à combien? Égal 200 sachets multiplié par 0,29. Et voilà, le montant plus taxe 58.
La TPS 5, 2,90 $. La TVQ 5, 79 $. Et le montant taxe inclus, 66,69 €. Le 16 janvier, le 16 janvier, 16-01 janvier, donc numéro de la pièce 67, paiement de 150 plus PAX à l'achat d'une montre pour Mariam, la fille de Jade, à l'occasion de sa réussite au Cégep. Cette dépense-là n'a pas été engagée, n'a pas été réglée pour l'activité de l'entreprise. Donc, c'est une dépense personnelle qui doit être comptabilisée comme retrait. Donc, je vais aller retrait de Madame Jade. Le montant que j'ai ici, c'est le montant sans taxe. Je dois ajouter les taxes pour ce montant-là. Égal 150 multiplié par 1,14975. Tout à l'heure, quand je voulais extraire les taxes dégagées, ma montant sans taxe, je divise le montant avec les taxes sur 1,14975. Maintenant, c'est l'inverse. OK? Un montant sans taxe, si je veux le calculer directement pour qu'il devienne avec taxe, je le multiplie par 1,14975 et ça donne 172,46. Transaction suivante. Achat de 150 boîtes de conserve pour préparation des sandwichs à 2,99 € plus taxes. Donc, la date, c'est le 19 janvier. Numéro de pièce, c'est PCV numéro 33. Donc, c'est les achats. Qu'est-ce qu'on a dit? On a des 150 boîtes de conserve. Chaque boîte coûte 2,99 €. Auquel il faut ajouter les taxes. Donc, fois 2,99, ça donne 448,50 € avec les taxes, ça donne 515,66 $. Transaction suivante, qui date du 20 janvier, numéro de la pièce, REP numéro 44. Réparation de 3 machines pour préparation des boissons chaudes et de repas. Les frais pour chaque machine réparée est 55 plus taxes. OK. Donc, je vais aller chercher entretien réparation. 3 machines, donc 3 machines qui ont été réparées. Chaque machine réparée nous a coûté combien? 55,55 €. D'accord? Voilà. Donc, le montant total, c'est 191,43 $. L'autre transaction qui date du 22 janvier, donc 22 janvier, donc 22 janvier, numéro de la pièce, c'est AFNES, numéro 55. On nous dit qu'il y a achat de 8 grandes boîtes de capsules de café Nespresso 20 hôtes pour 19,99 € l'unité taxe incluse. Taxe incluse, alors que la charge doit être enregistrée saisie avec montant sans taxe. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Égal 19,99 € parce qu'elle est avec taxe. D'accord? Donc, je dois extraire les taxes, divisé par 1,14975 €, il va me donner le prix unitaire sans taxes. Et après, je vais le multiplier par le nombre d'achats. Donc, j'ai 8 grandes boîtes, donc fois 8. Donc, ça donne 139,09 € plus les taxes, c'est 159,92 €. La transaction du 24 janvier, donc 24-01. Numéro de la pièce TVCH, numéro 66. Achat de 450 sachets de thé vert chinois aromatisé à 0,57 € plus taxes. Donc, c'est les achats. Donc, achat 5100. C'est égal. Combien j'ai acheté? J'ai acheté 450 sachets. Chaque sachet, chaque unité coûte 0,57 €.
Ça donne 256,50. L'opération du 26 janvier, numéro de la pièce justificative MEN77, confection de 200 menus de repas et boissons offerts, les menus qu'on donne aux clients, à 1,50 plus taxes limitées et de 200 cartes d'affaires à 0,99 plus taxes. Ici, le nombre est grand. D'accord? Il y a 200 menus. Vous ne pouvez pas avoir 200 menus à distribuer pour les clients. D'accord? Généralement, le plus que le nombre est grand, ben, il s'agit de les distribuer et de faire de la publicité. Si quelqu'un m'écrit, choisit frais de bureau, c'est correct. D'accord? Donc, soit publicité, soit frais de bureau. Mais le choix, l'option qui est près de la réalité, c'est la publicité. Donc, j'ai deux choses. J'ai 200 menus. Chaque menu a coûté 1,50 $. Plus 200 cartes d'affaires, chaque carte d'affaires coûtait 0,99. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, excusez, j'ai pas mis égal. Voilà. Donc, au total, j'ai 498 avec la TPS et la TVQ. Ça donne un montant avec taxe 572. L'opération du 28 janvier. 28 janvier. 28 janvier. Numéro de la pièce FTI. Numéro 88. Il s'agit d'un abonnement au service de la téléphonie et d'Internet auprès de Bell Canada. Donc, c'est téléphone. Donc, c'est 335 fois 35. Les taxes sont calculées automatiquement avec les formules qu'on a fait. Le 29 janvier, montant réglé, taxes incluses. Ça veut dire que les montants que vous allez voir, ils contiennent des taxes. Donc, nous avons ici trois achats, rame de papier, boîte d'archivage et un petit tiroir avec roulette. D'accord? Donc, ça, il est acheté pas pour l'entreprise, il est acheté pour la fille de Madame Jeanne. Ça n'a rien à voir avec l'entreprise. Donc, ça, c'est des retraits. On saisit la date de la transaction, on saisit le numéro de la facture, 99, et on va aller directement à la colonne. Retrait de Madame Jade égale, donc trois choses qu'on a achetées, égale 77,99 $, plus 77, c'est les deux rames, plus deux boîtes d'archivage qui ont coûté 88,99, plus le petit tiroir avec roulette pour 99,99. Donc, c'est 266,97. D'accord? Il n'y a pas de taxes parce que si vous mettez les taxes, c'est comme si la dépense concerne l'entreprise. Alors, ça ne concerne pas l'entreprise. L'opération de 30 janvier. Donc, 30 janvier. Le 30 janvier, donc Petro-Canada numéro 100. Dans cette transaction, on nous informe que 500 $ plus taxes, les 500 pas ont été réglés pour les. Attendez juste une seconde. OK, ça, c'est l'erreur. Que le groupe 516, quelques étudiants, ils ont commis. D'accord? Regardez la transaction du
du 29 janvier. Et vous aurez comme cette question-là. Regardez la transaction du 29 janvier. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit achat de deux rames, achat de deux rames de papier. Entre parenthèses, 77,99. On ne vous a pas dit 79,99 l'unité. C'est le total. Il faut jamais imaginer. S'il vous plaît, n'ajoute, si vous avez des doutes, il faut demander à votre enseignant. Toujours un conseil que je donne aux gens. Si vous avez 0,05 de doute, vous n'allez rien perdre. Demandez des éclaircissements. Et ne prenez pas le risque, hein, et faire ce que vous êtes en train d'imaginer, alors que, juste un petit message dans la boîte de clavardage, monsieur, 77,99, est-ce que c'est unité ou globale? Eh bien, généralement, il y a des enseignants qui vont répondre, il y a qui ne vont pas répondre parce que c'est clair. D'accord? C'est clair. Mais moi, si vous me posez cette question dans l'examen, je vais vous dire, écoutez, c'est 79,99. Voici ma réponse. Est-ce qu'il y a 79,99 l'unité? Et tu vas me répondre non. Je dis, écoute, maintenant, c'est à toi de prendre la décision. Je vous dis qu'il n'y a pas l'unité. S'il n'y a pas d'unité, ça veut dire qu'il a acheté deux rames à 79,99. Et deux points d'archivage à 88,99. Et enfin, un tiroir, un petit tiroir avec roulette pour sa fille, Jade, à 99. Donc, attention, attention, s'il vous plaît. Appliquez le contenu de l'examen tel quel. Si vous avez 0,000000% de doute, envoyez-moi un message. Bon, on va continuer. Donc, la dernière transaction dit que 500 dollars plus taxes a été réglé pour la facture de la consommation mensuelle du carburant de l'automobile du mari de la propriétaire. Donc, c'est personnel. Dans cette transaction, il y a des étudiants qui m'ont dit, est-ce que le mari donc l'auto est utilisée par le mari de la madame Jade, Jade Rice, et la fille ne travaille pas, donc il y a rien n'est indiqué comme quoi son mari, il est salarié ou je ne sais pas moi. Okay? Pour moi, et pour la logique, c'est du personnel, carrément du personnel. Donc, la facture, le montant de la facture, c'est 500 plus taxes. Pas oublier ça. Jamais, ne commettez jamais cette erreur. Mais vous allez mettre le montant avant les taxes dans le compte retrait et vous allez mettre les taxes pour l'entreprise. C'est incompatible. Quand on met la TPS et la TVQ sur des achats, il faut tout d'abord enregistrer l'achat qui concerne l'entreprise. Il n'existe pas ici. L'achat, la dépense effectuée concerne une dépense personnelle, concerne une facture qui n'a rien à voir avec l'activité de l'entreprise. D'accord? Donc, 500 multiplié par 1,14,975. Il n'y a pas de TPS TVQ pour l'entreprise parce que ce n'est pas une dépense, ce n'est pas une charge qui concerne l'entreprise elle-même. D'accord? Très bien. Donc, la dernière chose, la dernière transaction qui date du 31 janvier, donc 31 janvier, numéro de la facture, c'est LOY02/2021. C'est le loyer. Donc, c'est égal, c'est 500. Et plus les taxes, ça donne 574,88. Dans ce tableau-là, voilà ce qu'il me manque. Il me manque le fonds de caisse de départ.
quand on a créé l'entreprise, pardon, créé la petite caisse, il y avait un montant qu'on a mis. Pour le mois de février, le fonds de caisse début février sera le fonds de caisse fin janvier. Le fonds de caisse début mars sera le fonds de caisse fin février et ainsi de suite. Ici, je dois mettre 500 dollars. D'accord? 500 dollars qui est le fonds de caisse. Et regardez, par soustraction, donc par défaut, sans compter, on n'a pas fait le comptage, ça donne que dans la caisse, il y a 522,71. C'est ce qu'on appelle fin de période qui est théorique. Maintenant, j'avais 500, j'ai dépensé 4479,99. Admettons qu'on n'a pas fait l'inventaire physique de l'entreprise, eh bien, le chèque doit comporter la différence entre le fonds de début et le fonds de fin de période qui est 4479,29. Une fois terminé, ben on va aller chercher le journal. Regardez le journal avec les formules, ça marche très très bien, donc on n'a pas le toucher. La première transaction, c'était la création de la petite caisse. Donc, on a débité la petite caisse 10.01 et on a crédité Jade Rice Apport, 3200. Le montant, 5 000. Voici les dépenses. Donc, le total des dépenses, c'est 3011,94. Nous avons les retraits de 1014 et nous avons le total de la TPS 150, la TVQ 300 et l'argent qui est sorti de la petite caisse, c'est 4479,29 et c'est elle qu'on va mettre comme renflouement. Donc, si je prends le montant donné par le propriétaire plus ce que j'ai dans la caisse théoriquement, bah, ça va me donner ça va me donner ce qu'on appelle fonds de caisse fin période. La période, c'est septembre. D'accord? Pardon, janvier. Le mois prochain, fonds de caisse début février, ben sera celui-là avec lequel le mois est clos. Le mois de janvier a été clôturé à 500 dollars, etc. Et voilà, donc c'est la correction. Donc ça prend maximum 20 000.